Pour bien réussir ton cours en ligne, tu dois être capable de t'organiser, c'est-à-dire de gérer ton travail et ton temps. Pour cela, tu dois prendre conscience de la charge de travail à accomplir pour respecter les échéanciers. Créer une liste de tâches à accomplir est une bonne idée. En partant de cette liste, établis tes priorités en tenant compte des échéanciers. Planifier ton parcours permet de rester à jour dans ton cours. Serais-tu capable de gérer ton travail et ton temps pour respecter tes engagements en consultant ta feuille de route et en utilisant l'agenda? Si la réponse est oui, alors tu sais suffisamment bien t'organiser pour suivre un cours en ligne. Et si tu sens que tu dois améliorer cette compétence, discute-en avec ton conseiller en orientation ou avec un autre membre du personnel de ton école.